Remets le son. Coupe le son. Martial se dédouble chaque mercredi 20h-22h sur VL. C'est l'heure du coucou. Coca. De qui? De Juju. Jingle. Oulala. Veuillez quitter l'établissement. Julien, une fois n'est pas coutume, VL est à toi. Changement de lumière. Ce soir, je vous propose de découvrir une fête nationale incontournable dont je commençais à vous parler la semaine dernière. Vous vous rappelez ou pas? Ouais, exactement, pas exactement, mais depuis 1977, la fête Shinto célèbre la fertilité en mettant le phallus à l'honneur. Enfin un pays qui est reconnaissant avec l'attribut masculin, bordel. Mais ça, je devais les offrir à un moment. Ah, c'était prévu. Ah bah oui. Excusez-moi. J'adore. C'est un rêve devenu réalité. Tous les ans, au Japon, des milliers de pénis font leur apparition dans la ville de Kawasaki. Des promesses devenues réalité. Enfin. Un spectacle magnifique, les filles, je vous jure. Vous allez grave kiffer. Et c'est l'endroit idéal pour les enterrements de jeunes filles. Ah. On peut bien s'amuser sur un week-end, c'est énorme. Ouais, c'est surtout au Japon. Quoi. Ouais, un week-end au Japon, c'est en bois, c'est ça, ouais. En guimauve ou en sucette, comme Boboy vous a offert déjà pour vous, les filles. On voilà, exactement. Quel cadeau magnifique. Voilà. C'est pour vous, les filles. Voilà. Ouais, c'est le coup légumes pour toi, en fait. Voilà. Ou en légumes pour les véganes, pour toi, ma Flora. Symbole de vigueur et de reproduction, le phallus est reproduit partout et sur toutes les formes. Et le, ouais, et le premier dimanche d'avril, il y a le fameux défilé de Mikoshi. Des temples en bois dans lesquels sont dissimés des pénis en bois. Puis vint le tour du pénis de fer. Entièrement noir, évidemment. Ils sont déjà durs, alors. Ouais, j'adore quand tu me parles comme ça. Et enfin, le meilleur pour la fin, le pénis géant rose. Dans son temple, sans toi, il para dans toute la ville, uniquement porté par des hommes habillés en femmes. Des ladyboys, quoi. D'accord. Et d'ailleurs, attention, pendant le défilé, pas de happy ending possible. Allez, regarde, tu sais de quoi tu parles. Une fête à ne surtout pas manquer pour tous les fans de phallus. Une aventure à tester au moins une fois dans sa vie. Important, comme un spring break, il faut le faire au moins une fois dans sa vie. Hein, vraiment. Et d'ailleurs, les festivités servent aussi et surtout à récolter des fonds pour la lutte contre le sida. C'est important. Voilà. Avec d'ailleurs cette année un invité guest exceptionnel qui tentera de battre le record du plus grand et gros gangbang jamais organisé sur Terre. Évidemment, je me suis déjà inscrit, mes loulous. Hein. J'adore et je suis trop hâte d'y être. Et j'allais oublier, un des organisateurs de la fête a tenu à vous laisser un message. Je sais pas si on peut l'envoyer. Annyeonghaseyo. Bonjour, VL et tout le monde qui regarde, écoute. Rendez-vous à Tokyo pour le Kanamara Matsuri. C'est la fête du pénis de fer. Ensemble, et pour récolter des fonds contre le sida, on va faire le plus grand, la plus grande gangbang style. Ah, rendez-vous à Tokyo. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.